RTL2. Ça faisait un petit moment qu'on se disait, mais qu'est-ce qu'il fait, où il est, avec qui, comment et pourquoi? Et on se demandait s'il allait revenir. Et puis, on a entendu ça. Et quelle joie de te retrouver, cher Gérald de Palmas. Merci beaucoup. Mais comment tu vas? Eh bien, pas mal. Mais je suis trop content, vraiment, mais sincèrement très content de t'avoir pour cette première de la saison et très content surtout que tu reviennes. Enfin, juste est-ce qu'à un moment tu t'es dit que t'allais pas revenir? Mais ça m'est arrivé à chaque album, donc si tu veux, c'est une habitude chez moi, c'est pas très nouveau. Mais il faut avoir une raison pour revenir, il faut avoir un truc, il faut avoir quelque chose, il faut avoir envie, il faut avoir un disque, il faut avoir des chansons. Donc sinon, c'est pas la peine de revenir. Et c'était quoi la bonne raison de revenir cette fois-là? En fait, j'ai passé pas mal de temps à plus faire de musique. Et puis, je me suis mis à bosser la voix. Et j'ai retrouvé du plaisir à chanter, en bossant ma voix. Et je me suis dit que j'allais composer, une fois que j'avais retrouvé ce plaisir-là. Et voilà, c'était le départ du truc, quoi. Et tout ça à La Réunion. À La Réunion, ouais. qui est désormais ta résidence et ta maison. Dès que tu peux, tu y vas. Ben oui, alors là, ça va être plus compliqué pour tout ce qui est. Il y a l'album qui va sortir en novembre, il y a une et tournée les tournées qui va derrière, suivre. Bien sûr, ouais. Je vais y aller un peu moins, ouais. Mais je suis resté presque 7 ans, pratiquement toute l'année là-bas. Bon, très bien. Tu nous feras un compte-rendu détaillé de l'emploi du temps, histoire de me faire rêver un petit peu. Yes. Écoutez, ça s'appelle Personne, c'est le nouveau single de Gérald de Palmas, ça nous amène jusqu'à la pub et puis après on l'écoute en entier sur RTL2. Gérald de Palmas est avec nous sur RTL2. C'est le grand retour de Gérald après 7 ans et un nouveau single qui s'appelle Personne, qu'on va écouter dans quelques petites secondes. C'est la question que je pose tout le temps, mais c'est important pour moi de savoir. Elle est née comment, cette chanson? Comment elle arrive? C'est la première d'ailleurs de toutes celles qui vont constituer l'album. Tu veux dire chronologiquement dans la composition? Non, c'était l'album s'appelle Sous un soleil de plomb, et c'est une des chansons qui s'appelle Sous un soleil de plomb, et c'est celle-là la première qui est arrivée. C'est celle-là le fil sur lequel tu as tiré. Parce que tu dis, il faut une bonne raison pour se mettre à refaire de la musique. Oui, c'était donc celle qui s'appelle Sous un soleil de plomb qui était la première. Mais t'as vraiment pas gratté la musique pendant des années? 2-3 ans, j'ai vraiment pratiquement rien fait, si ce n'est le chant. Mais qu'est-ce qui a provoqué ça, Gérald? Un petit peu d'érosion, parce que j'ai beaucoup tourné. Sur les dernières années, là, avant 2017, quand j'ai arrêté. Ouais. Et j'ai beaucoup tourné. Et puis ça faisait 30 ans, maintenant ça fait un moment. Depuis Max Valentin. Ouais. Et donc il y avait un petit coup de. Et puis j'avais envie aussi de vivre un peu à l'île de La Réunion. Je m'étais jamais pris le temps. Pour expliquer aux auditeurs, t'es né là-bas. Oui, je suis né à l'île de La Réunion. Quoi, à l'adolescence, hein, non, plutôt à l'âge de 9 ans à Aix-en-Provence. Et c'est vrai qu'après, j'ai pas eu ni le temps, ni l'argent, ni l'occasion de retourner trop souvent là-bas, pas assez souvent en tout cas. Et donc voilà, pour moi, c'était le moment là d'y aller. Et quand tu te retrouves là-bas, t'as vraiment la sensation d'être chez toi? Ben oui. C'est chouette, ça. Ben, tu sais, les premières années, on est vraiment des éponges, quoi, de 0 à 10 ans ou même. Même avant, je pense qu'on est vraiment imprégné par le lieu où on évolue. Et donc, ça me manque. La chanson, on va l'écouter en entier maintenant. Elle s'appelle Personne. Raconte-moi. Donc là, on est à La Réunion. On est dans ta maison. Tu es en train de jouer avec ta guitare. C'est comme ça qu'elle arrive, la chanson, ou pas? Alors, toute celle-là, j'ai fait un peu comme je faisais dans le temps. C'est-à-dire que c'est la musique que j'ai composée en premier et après les textes. Tu sais, ça vient à un moment donné où il faut un peu arrêter de penser, en fait. Il ne faut pas vouloir. Si t'as envie que ça arrive, ça arrive pas. Faut pas vouloir, il faut juste se mettre. Faut mettre sa sensibilité à fleur de peau, ce qui est pas toujours évident, parce que généralement il faut aller fouiller à des endroits où ça pique un peu. Mais c'est que comme ça, je trouve que tu arrives à avoir quelque chose qui tient la route, quoi. Et le texte, il est arrivé comment? La même façon, il faut aller fouiller là où ça pique. Ça veut dire que ça raconte de toi. Mais toujours, oui. Et on l'écoute. La nouvelle chanson de Gérald de Palmas est sur RTL2. Et surtout, Gérald est sur RTL2, c'est le grand retour. Trop content. Personne, le nouveau single de Gérald de Palmas. À quel moment tu sais qu'une chanson est finie, Gérald? Quand il y a une espèce d'évidence, quand il y a un équilibre. En fait, quand tout est en place, il n'y a rien de. C'est pas un détail, c'est une impression générale. Où tu te dis, ah tiens, il y a un genre d'équilibre, ça, c'est cohérent, quoi. Et t'as été tenté de plus chanter toi et d'écrire que pour les autres?
Ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma carrière de me dire ça. Oui. Ce mec a quand même écrit pour Céline Dion, pour Johnny. Le plus gros succès de Johnny, c'est toi qui lui as écrit. Tu pourrais, au fond, faire que ça si tu en avais envie. Oui. Mais j'aime bien chanter mes chansons, normalement. Oui, c'est ça. Alors, parlons de cet album. Il y a combien de chansons, on sait ? Il y a 11. 11 chansons. Plus un prélude instrumental, un petit prélude. Alors, ce qui est cool quand on écoute cette chanson, c'est la seule que j'ai écoutée de cet album, hein, c'est d'abord de retrouver ton son, c'est-à-dire cette espèce de folk acoustique, mais avec aussi le groove qui te caractérise derrière. On est comment dans la musique et dans la production des chansons qu'on va bientôt découvrir au mois de novembre ? Et en fait, tu veux dire comment ça s'est passé ? Ouais, et puis surtout à quoi ça ressemble ? Enfin, est-ce qu'on est dans cette tonalité ? Ça ressemble beaucoup à ce que tu entends à personne. En fait, c'est assez organique, mais contrairement à avant où je passais énormément de temps et j'y pensais beaucoup de temps et d'énergie à essayer d'avoir un son vintage, roots, enfin, je dépensais beaucoup de temps à ça. Cette fois-ci, c'était pas du tout le cahier des charges. Je me suis dit, ok, je choisis les instruments que j'aime, qui sont toujours un peu les mêmes, mais je me focalise pas là-dessus. Je me focalise sur le fait de jouer avec les gars et de laisser faire le truc et de faire des arrangements qui soient vraiment dépouillés. Et en fait, au final, je trouve que c'est un de ceux qui a un des sons les plus roots, mais c'était pas le but à la base. Quoi. Et c'est marrant parce que je me souviens en fait d'une conversation qu'on avait eue il y a assez longtemps, toi et moi, où tu m'avais raconté le temps que tu avais passé tout seul à même faire des petits boulots avant de faire ton premier album. Ouais. C'est-à-dire pour trouver ce qui était ton son. Au début, t'es avec Edith Fambuena, Jean-Louis Pierrot, et Max Valentin, et tu les quittes parce que tu veux faire ta musique. Mais à ce moment-là, tu mets vachement longtemps à trouver le son qui est le tien. Alors au début, j'ai mis un peu de temps, puis après, je trouvais pas de maison de disque. Ça brille un peu de temps. Ouais. Mais ça a toujours été un truc important. Et pour être complètement honnête, je trouve que c'était parfois un petit peu trop important. Et je me souviens en avoir discuté un peu avec Jean-Jacques Goldman à une époque où lui, il met plus l'accent sur. Je te parlais de l'équilibre de la chanson, le fait qu'elle soit efficace intrinsèquement, c'est-à-dire, tu vois, juste la mélodie et les paroles. Et je crois que c'est lui qui a un peu raison. Il faut un peu des deux, je pense. Mais moi, c'est vrai qu'à une époque, je mettais trop d'énergie et trop de temps sur le son. C'est, même si c'est plus à la mode maintenant de s'occuper plus du son que du fond. Mais en tout cas, voilà, je crois qu'il faut trouver le bon équilibre, en fait. On parlait de Jean-Jacques Goldman qui t'offre une chanson super importante à un moment d'un album où toi, t'es dans le doute et tu sais pas. C'est La Page Blanche, c'est l'album Marcher dans le Sable qui sera un énorme succès. Cette chanson s'appelle J'en rêve encore. Est-ce que tu veux bien re-raconter pour la millième fois cette chanson qu'on va écouter dans quelques petits sons? En fait, j'avais pratiquement tout l'album, j'avais toutes les mélodies et j'étais paralysé, j'arrivais pas à écrire un seul texte. Donc je tournais avec, j'avais les accords, j'avais les arrangements, j'avais tout, j'avais les mélodies, tout était prêt, tout était en yaourt anglais, et j'avais pas un texte. Et je croisais Jean-Jacques souvent à l'époque, et je me souviens c'était au Solidays dans le backstage. Mm-hmm. Avant de monter sur scène, il m'avait invité, et je me souviens que c'est là que je lui ai demandé, je lui ai dit je suis bloqué, est-ce que tu peux m'aider? Il m'a dit envoie-moi 3 chansons, et j'écouterai, si on a une qui me chauffe, je ferai un texte, et... C'est ce qui s'est passé. Et est-ce que c'est vrai, parce que j'ai lu ça, mais je ne sais pas si c'est vrai, tu vas me dire si c'est vrai ou pas, que tu lui as dit, est-ce que tu peux en faire d'autres et que lui t'aurait répondu, non, tu es capable de les faire. Oui, non, il m'a dit, mais non, tu as déjà fait des chansons, tu es capable de les faire, maintenant c'est à toi, vas-y, continue. Il avait raison quand même. Hein. Et oui. Une fois de plus. Il a été royal sur toute la ligne, c'est-à-dire qu'il m'a sorti un super texte et derrière, il m'a redonné confiance en moi. Quoi. Ouais, la classe. C'était la classe intersidérale. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as entendu pour la première fois J'en rêve encore? D'abord, est-ce que tu l'as entendu avec sa voix à lui? Oui. Ah, génial. Mais comme je te disais tout à l'heure, Jean-Jacques, l'arrangement, surtout une maquette, Il s'en fout complètement. Lui, t'as une espèce de mélodie. Il joue un truc un peu, je me rappelle, c'était un truc un peu fait au piano, mais il en a rien à secouer parce qu'il a raison. C'est une maquette, on s'en fout. Ouais. C'est pas ça l'important. Ce qui compte, c'est le texte et la mélodie. Et ça m'avait fait halluciner, quoi. Mais bon, j'avais tout de suite vu que le texte, il était vraiment cohérent, quoi. J'en rêve encore, Gérald de Palmas qui est avec nous jusqu'à 19h sur RTL2. J'adore dans cette chanson le ta-na-na-na-na-na-na. Tu te rappelles comment tu l'as trouvé celui-là? Oui. C'est marrant parce que je me souviens pas de grand chose. Mais non, mais c'est vrai, j'ai pas beaucoup de mémoire sur surtout dans la musique. Mais ça, je m'en souviens. J'étais sur le canapé en train de regarder la télé, je crois. Ouais. Et je jouais et mon ex-femme à l'époque. Et elle est passée comme ça, elle s'occupait d'aller chercher mon fils ou je sais pas quoi. Elle m'a dit tiens, c'est pas mal ça, tu devrais faire un truc avec.
j'étais en train de faire le riff de Jean Rêve Encore. Ouais. Ouais, je me souviens, donc c'était le moment où je l'ai trouvé. Ouais, parce que ça tourne ce truc-là, puis ça te rentre dans la tête. Ouais, petit riff. Bon, allez, on va se plonger dans quelques-unes de tes chansons. Je rappelle que De Palmas arrive avec un nouvel album en novembre. Évidemment, tu viens nous en parler. Il y a une nouvelle chanson, et puis l'album, tu nous l'as dit, s'appelle Sous un soleil de plomb. Mmh. Parlons de. Bah, on repart au début, hein. Car j'étais sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu le doute en toi s'immiscer. Mon obsession dans la vie, c'est de savoir comment sont arrivées les chansons, Gérald. Oui. Celle-là. Je me souviens en tout cas de l'impression. Je ne me souviens plus vraiment quand ou comment, ouais. Mais le feeling que j'ai eu en me disant « Oh putain, c'est sympa, ça tient la route. » Et encore une fois, comme je te disais tout à l'heure, j'ai eu ce sentiment de... T'as l'impression que le morceau a toujours existé quand il n'est pas trop mal, ouais. Et quand il tient la route, et quand il est équilibré. Ouais. Tu as ce feeling, t'as l'impression que le truc a toujours existé. C'est un bon feeling, ça, généralement. Il est facile à jouer. Quand t'as cette impression-là, pas forcément facile à jouer, mais en tout cas, t'as l'impression qu'il a toujours existé. Et ça, c'est généralement un bon signe. Une autre chanson qui va devenir alors un succès avec Gérald, mais aussi un succès international grâce à Céline Dion, j'en parlais tout à l'heure. Ah. Tombé. Ouais, alors là, ça c'était une mélodie... C'est une chanson que j'avais à la fin de l'album. C'est-à-dire qu'on avait déjà enregistré l'album, et ouais. J'avais la mélodie, encore une fois, et les accords. Mais j'étais un peu sur les rotules, c'était la fin de l'album. Ouais. Et Maxime Le Forestier était dans le studio, je ne sais plus pourquoi. Mmh. Et il devait enregistrer dans une autre cabine. Mmh. Et en fait, on sympathise, on discute, tout ça. Et je lui dis, ben, j'ai cette musique-là, je suis bloqué, je suis à la fin de mon disque, là, j'en peux plus. Est-ce que ça te branche de m'aider ? Et il me dit, ben, va chercher ta guitare. Et il a écrit le texte en une heure et demie. Je lui chantais en live, comme ça, devant lui, et il écrivait. Et on était dans le... Comment ça s'appelle le réfectoire, tu vois, du studio. Ouais. À ton studio, là, sur elle. Non, je crois que c'était à Guillaume Tell, ça, ou ouais. Je sais plus quel studio c'était, mais on était dans le studio où j'enregistrais, quoi. Et lui aussi. Mais il a pris 2 heures, et puis moi, j'ai pris ma guitare, et je lui chantais le truc. Il me dit, ouais, 10 heures, ouais, tu m'as laissé tomber. Et, une heure et demie après, c'était fini. C'était et fait. Qui a fait 10 Days? Alors, 10 Days, j'explique à tout le monde, ouais. C'est Céline Dion sur un album qui a été un énorme carton dans le monde entier. Ouais. Et il y a une chanson de Palmas. Ouais. Alors, c'est un Canadien qui a fait la traduction. Ouais. Enfin, c'est pas une traduction d'ailleurs, c'est une adaptation. Une adaptation. Mais malheureusement, il va m'en vouloir, mais je pense pas qu'il s'en fout. J'ai oublié son nom. Un Canadien qui a fait ça en anglais. C'est cool d'avoir une chanson de Céline Dion. C'était très, très fun. Puis surtout, j'étais parti l'enregistrer à Miami avec elle. J'avais refait l'arrangement. C'est pas un peu genre le Barbie World. C'était très étrange. Alors, c'était pas chez elle, c'était chez un copain à elle, qui a un studio d'enregistrement, tu sais, dans ces ghettos de riches qu'il y a à Miami. Avec des mecs à l'entrée. Exactement. Ouais. Et t'as un gars à l'entrée. Alors, j'ai déjà raconté l'anecdote, mais c'était comique parce que je fumais à l'époque des cigarettes et je sors du studio où on fait une club, et le mec, l'ingénieur du son, me dit ferme la porte, en anglais, hein. Ferme la porte. J'ai dit oulala, détends-toi, tout va bien. Et après, il m'explique, il dit non, excuse-moi, c'est parce que si on ferme pas la porte, en fait, des serpents rentrent dans le studio. Et ok, sympa. Okay. C'est une bonne ambiance. Et après, j'avais causé avec les gars et tout dans le studio à Miami, et il me disait aussi, on n'a plus de chien non plus. Je dis ah bon, et pourquoi? Parce qu'en fait, les alligators, les chiens allaient boire, tu vois, au bord. Et les alligators bouffaient les chiens. Donc, si tu veux, les gars, ils ont des gars armés à l'entrée, mais par contre, ça craint au niveau des animaux. Gérald De Palmas avec nous jusqu'à 19h sur RTL2. On parle de tes chansons, mais on parle aussi, ce sera d'ailleurs le sujet juste après la pause, de tes influences. Et vous allez comprendre comment. Prise de cette nouvelle saison du Drive RTL2. Gérald De Palmas en ouverture, c'est classe d'être le parrain de cette saison, je suis trop content. Gérald, on a parlé de ta musique, on sait qu'il y a un album qui arrive au mois de novembre, on sait même, puisque tu nous l'as dit, qu'il va s'appeler Sous un soleil de plomb, il y aura une tournée derrière, et moi je me demandais ce qu'il y avait dans la tête de De Palmas en termes d'influence. C'est quoi les influences? Qu'est-ce qui t'influence pour faire de la musique, Gérald? Eh ben, les autres, ça c'est sûr. La musique des autres, parce que j'écoute rarement mes trucs à moi. Ouais. Donc... Alors, tu veux remonter quand j'étais tout petit ou... Quand tu veux. Tu m'as parlé d'un animateur de radio anglais. Ah oui, Zenlo. Alors, Zenlo, oui, ou Zenlo, je on sais va pas. Dire Zenlo. Mais on... Appelle-le Eric.
Éric Jean-Jean. Oui, en fait, c'était un gars qui je crois qu'il faisait de la musique, il s'occupait de la musique sur la BBC. Sur la maintenant, BBC, il est chez Apple, le boss de la musique chez Apple. Et en fait, ce gars-là faisait des playlists. Ouais. Merci beaucoup. Et en fait, j'adorais ces playlists. Et j'ai trouvé des et perles grâce à lui. Ça te donne des idées pour faire de la musique. Ça me donne des idées surtout pour trouver de nouveaux artistes de temps en temps. Ouais. Je vais les écouter évidemment. Et tu peux pas faire de musique si y a pas la musique des autres. Tu peux pas. C'est intéressant ce que tu dis. Il y a un petit pad en face de toi, un écran tactile sur lequel on a mis quelques chansons, en espérant que certaines vont t'inspirer pour que tu nous parles de musique. On pourrait recommencer par quoi ? Par les Specials. Ça, c'est le premier album que j'ai acheté quand j'avais 14 ans. Du ska. Oui. D'où ça vient cette passion du ska ? En même temps, c'est un peu notre génération. Mais c'était mon époque que j'avais, tu vois, j'avais 13 ans, 13, 14 ans. 92. Ouais, t'as raison. Ouais. Non. Et en fait, je pense que ce qui m'a plu dans cette musique, c'est que déjà, ils jouaient avec des instruments des années 60, alors que c'était les années 80. Ouais, c'est la fin des années 70 en fait. Ouais. C'est le post-punk. Ils avaient gardé ils avaient un côté roots, tu vois. Ils avaient gardé les vieux B3, les orgues, les trucs comme ça. Et j'aimais bien ça. J'aimais bien. Et c'est ça qui t'amène à la musique. Ouais. Ah oui, c'est clairement. Ouais. La basse aussi. À quel moment tu rencontres Jean-Louis Pierrot et Edith Fambuena, avec qui tu vas former ton premier groupe, les Max Valentin? Un peu plus tard, 4-5 ans après avoir commencé à gratouiller. La basse, c'est le premier instrument dont j'ai joué. Et voilà. Et c'est eux qui m'ont chopé, parce que je jouais avec des petits groupes dans les écoles, dans les lycées, tu vois, à la fin de l'année. Et ils étaient venus me recruter, ils étaient un petit peu plus âgés que moi. Et voilà, ils cherchaient un chanteur et un bassiste. J'étais pas vraiment chanteur, j'étais à moitié bassiste. Allez, une autre chanson, tiens, d'influence de Gérald de Palmas. Allez. Faut que t'enlèves la première. Voilà, j'enlève la première. Ouais, c'est mieux. Ça y est, c'est bon, vas-y, fait. Appuie sur l'autre quand tu veux. Les Black Crowes. Alors ça, c'est probablement un des groupes, ça n'a rien à voir avec la musique que je fais, il y a vraiment rien à voir, je crois. Mais c'est probablement mon groupe préféré. Parce que en fait, ce que j'aime dans un artiste ou un groupe, ce sont des gens qui créent un univers où tu peux rentrer dedans. Donc si tu veux, j'ai du mal à sauter d'un single à l'autre avec un artiste différent. Ça m'intéresse, même si la chanson est d'enfer, ça m'intéresse pas vraiment. Ce que j'aime, c'est vraiment comme un film, en fait. Tu vois, quand un film t'embarque. Mais quand tu fais toi un album, c'est aussi comme ça que tu fais. Mais c'est surtout ce que j'essaie de faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de choper les gens et de les amener dans un univers, dans mon univers. Je sais que tu vas pas répondre, mais elle parle de quoi tes chansons dans le nouvel album? Alors, c'est pas que je vais pas répondre, c'est que j'aime bien laisser une place à l'interprétation des gens, et j'ai pas envie que ça devienne trop littéral et, tu vois, de faire une explication de texte. D'où l'intérêt d'écrire des textes, c'est que tu prends le temps d'habiller ton texte. Tu vois, tu lui mets des fringues, les fringues que tu as envie. Si tu le mets à nu, en faisant une explication de texte, c'est dommage, je trouve. Oui, et puis tu laisses plus du tout de part à l'imagination pour les autres. Et c'est le but de l'art, tu vois, une peinture, c'est pour faire rêver les gens, il faut que l'imaginaire se mette en marche. Et quand tu écris un texte, il y a 1000 ratures, ça sort d'un coup ou ça dépend, en fait, il n'y a pas vraiment de règles. Pour être complètement honnête, il y a quand même plutôt souvent 1000 ratures. Ouais. T'écris à la main ? T'écris sur un ordi ? J'aime écrire à la main. Ouais. Et quand tu composes, t'écris des musiques ou tu les enregistres ? Non, j'enregistre. Ouais, sur mon téléphone, comme tout le monde, je fais des penses bêtes. Des petites notes ? Des petites notes, ouais, des petites penses bêtes. Il est 57, on a le temps d'écouter une seule chanson. Et tu nous avais choisi un Gigi Kell, mais on ne va pas l'écouter, parce que si t'es OK, on va écouter ta nouvelle chanson, t'es d'accord ? Avec plaisir. Désolé pour Gigi Kell, on le passera une autre fois, promis. Et on sait que Gérald adore Gigi Kell. On va écouter Personne, c'est la toute nouvelle chanson de Gérald de Palmas qui est avec nous. Bah, juste le temps de cette chanson encore sur RTL2. Personne, nouvelle chanson pour Gérald de Palmas, nouvel album en novembre. Tu reviendras nous en parler, je compte là-dessus. Ben, avec plaisir. Une tournée à suivre, merci. Et puis sois prudent avec ton avion. Je viens d'apprendre que tu faisais de l'avion et que ça rigole pas. Un peu de voltige. Non, mais ça y est, je me suis calmé. Parachute. J'ai posé l'avion, j'ai pris la guitare. Donc ça parachute, devait... moto. Parachutisme, ouais. Ça c'était chouette. C'est vraiment, vraiment fun. T'as fait d'autres trucs dangereux ? Un peu d'hélicoptère rigolo. Je fais des trucs. J'avais besoin d'adrénaline, et oui, quand tu fais plus de concerts, tu me...
Bah, très bien. Pour l'instant, on reste au sol. Ça nous arrange. C'était Gérald de Palmas, premier invité de ce premier drive de la saison. Et évidemment, premier retard. Hein. Ah, bah oui, si forcément. On ne change pas, on ne change pas les bonnes habitudes. Voilà, merci, Gérald, d'avoir été là. Merci, merci de m'avoir invité. Je t'embrasse fort, Alexis. Salut. Ouais. Merci, Gérald. À bientôt. Ciao. Bye bye. À demain. Bye bye.